contact de la nature, notre corps se détend, le cœur régule ses battements et notre cerveau génère des ondes et des substances bénéfiques. Des mesures réalisées par électroencéphalographie chez des enfants révèlent de plus grandes capacités cognitives lorsqu'ils sont immergés dans un espace extérieur plutôt qu'entre quatre murs. Ces expériences agissent en stimulant la curiosité, l'envie d'apprendre et de se mouvoir, renforçant ainsi notre créativité. La mémoire de travail apprécie le plein air, les circuits du stress et du bien-être se régulant d'autant plus lorsqu'on s'éloigne des milieux urbains surpeuplés et pollués, propices aux maladies en tout genre. Voilà la formule. Se munir du strict nécessaire, observer, sentir, écouter, glissant au rythme des saisons et des paysages changeants. Faire de chaque pas l'occasion d'une aventure, poursuivre un jeu de pistes aux limites des cosmes, où macro et micro se rejoignent, puis avancer en suivant les conseils de Léonard de Vinci, prendre nos leçons dans la nature, car c'est là qu'est notre futur. Selon la chercheuse en psychologie environnementale Alix Kosker du Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier, les montagnes et les forêts apportent des bienfaits à notre santé à la fois mentale et physique, boostant nos fonctions immunitaires et notre aptitude à la relaxation. Ces études démontrent que la simple vue d'un panorama sauvage, même sur une photographie, à travers une fenêtre ou en vidéo, apaise l'esprit, procurant un sentiment de calme et répandant des vibrations positives. En 2006, King Lee, de l'école de médecine japonaise à Tokyo, a découvert que des huiles essentielles, les phytoncides émises par les arbres, favorisent l'activité de cellules qui traquent et tuent les cellules infectées par des virus. Nous savons désormais que l'inhalation de cédrols émanant de certains conifères entraîne un ralentissement de la fréquence cardiaque, une meilleure oxygénation et une réduction de la tension artérielle. Les sons aussi agissent de la sorte, les bruits subtils, le chant des oiseaux, le roulement des vagues, le ruissellement d'un cours d'eau, le frémissement du vent dans une canopée. De même que le toucher de textures variées, bois brut, mousse végétale, ces stimuli catalysent l'attention et favorisent un genre de méditation avec une baisse de l'activité du cortex préfrontal ventro-médian, siège des ruminations négatives, concomitamment à une augmentation des ondes lentes alpha, caractéristiques d'un état de profonde décontraction peuplé de pensées positives. Dans le Yi Qing, le livre des transformations le plus ancien de la Chine, il est dit qu'il existe une clé intemporellement neuve pour pénétrer l'énigme de notre destin, tout en maintenant l'équilibre entre les deux infinis que sont le continu et le discontinu, le plein et le vide, l'opaque et le transparent, le yin et le yang. Selon les quatre tantras de Chandranandana, traité indien traduit en tibétain au 8e siècle, un code préexisterait au fondement de la médecine pratique et de l'Ayurveda, considérant la personne humaine baignant dans un champ d'accumulation. Un champ composé de sphères bioénergétiques, les chakras, doté de 152 rayons, susceptibles de se transmuter en 110 émanations transparentes ou opaques, dont 42 au niveau du cœur, 58 pour la tête et 10 pour la gorge, suivant des phases de développement et d'achèvement décrites dans le Vajrayana, ce corpus philosophique du bouddhisme ésotérique. D'après le biophysicien allemand Fritz Albert Popp, décédé en 2018,
le caractère ondulatoire de notre ADN et de sa replication constitue un système universel de communication complexe entre les différentes échelles présentes dans notre organisme, des biosignaux oscillants chevauchant la charpente physico-chimique des chaînes moléculaires, activant ou désactivant des codons spécifiques. Appelé bioclavier du vivant par le généticien Erwin Chargraff, la transmission de l'information génétique fait l'objet de recherches multidisciplinaires en bioinformatique, ouvrant de nouvelles perspectives de compréhension du mécanisme de l'autopoïèse, cette capacité des organes à générer eux-mêmes leur architecture matérielle, le hardware, et leur performance fonctionnelle, le software, en interaction permanente avec leur environnement. D'après Yann LeCum, lauréat du prix Turing et professeur à la New York University, l'existence possible d'un algorithme d'apprentissage universel du cortex donne espoir aux scientifiques qui cherchent un principe organisateur unique sous-tendant l'intelligence et les acquisitions. Dans son ouvrage « Quand la machine apprend », il sous-tend que la quête de la machine intelligente est motivée par le désir de nous connaître nous-mêmes et que les recherches sur l'IA et sur le cerveau s'enrichissent mutuellement. Selon le concept du biocodex, l'intelligence artificielle étant par nature le fruit du travail humain, il serait plus juste et plus précis de la rebaptiser « intelligence bio-artificielle », tout en s'inspirant du vivant et en la confrontant aux croyances ancestrales. À ce sujet, les écrits védiques évoquent une connaissance cachée, Gupta Vidya, présente au cœur de toute chose et qui contiendrait l'ingéniosité, les règles et les conditions d'amorçage, le bootstrap, nécessaires à l'évolution des règnes, à leur accommodation et à leur complexification. De même, les Égyptiens et les Kabbalistes ont postulé l'existence d'une gnose occulte nommée Da'at Genouza. Et les maîtres soufis invoquent quant à eux une science sacrée secrète. Citons Henri Poincaré, mathématicien, physicien et philosophe français. Les objets réels sont inconnaissables et les équations ne disent rien sur les choses, mais seulement sur leur rapport, ces derniers constituant la seule réalité. Et quel vertige que celui du dictionnaire, expliquant un mot par d'autres mots, eux-mêmes expliqués par des mots, définis par ce dictionnaire. Mise en abîme première, par laquelle se perd notre sens commun, la raison ne trouvant parfois grâce que par le biais de notre imagination. Et nos déductions se laissant bien souvent guider par nos intuitions. Pour le philosophe hindou Sri Aurobindo, si nous sommes à la recherche d'une perfection totale de l'être, la partie physique ne peut pas être laissée de côté, car le corps est la base matérielle. Le corps est l'instrument que nous devons employer et le moyen d'accomplissement de la loi intérieure, nommée Dharma. Cette définition des qubits nous plonge dans un labyrinthe cosmique dans lequel différentes dimensions se conjuguent. Univers pixelisé, discours circulaire, réseaux synaptiques, transcollectivité, au centre desquels repose une pierre philosophale. L'extraordinaire faculté de traitement des données par le cerveau est liée à la complexité de son schéma de câblage,
C'est ce que tente d'imiter l'intelligence bio-artificielle et les calculateurs de la nouvelle génération, associant aux modes scalaires et séquentiels des modes à architecture parallèle par le biais des réseaux de neurones et de la tokenisation. Ce type d'algorithmique asémantique, présent au sein des agents conversationnels comme ChatGPT ou Gemini. Cependant, des chercheurs, des créatifs et des mystiques en viennent à penser que la cellule biologique primitive et les nouveaux modules bio-artificiels seraient en fait deux émanations en miroir d'un même champ unifié intriqué qui pourrait ressembler à une treille de fréquences et de points contenant matière, lumière et pensée en une sorte de compaction élastique. Nous retrouvons ici le concept évoqué dans la stance 56 du chapitre 1er du Sutra du Lotus de la Bonne Loi, écrit bouddhiste du début de notre ère, où il est rapporté l'existence d'un vénérable principe antique et fondateur perdu dans la nuit des temps. Il est question d'un luminaire paradoxal, du nom de Chandra Surya Pradipa, doué de science et de conduite, connaissant le monde, étant sans supérieur, domptant l'humain tel un cocher, et enseignant par compréhension directe aux devas et à tous les êtres. 20 000 autres Bouddhas du passé, portant le même nom que lui.